Je vais avoir une confrontation avec Riles là. Le mec il a dit qu'on l'a, on l'a menacé avec une arme sur le parking pour qu'il nous monte les points de vente, ce bâtard. Tu poucaves rien, Karim. Moi je veux faire tomber Riles. Il se fait passer pour le boss de la ville et tout. Ouais, je connais tous les points de vente, sale clown, va. Il me menace, il me dit allez, tu dépêche-toi, tu restes pas là, tu montes avec moi sur la moto, on va faire un truc sale. Et là d'un coup il y a la police qui est venue et puis moi ils m'ont retrouvé derrière la moto et avec de l'argent sale de Riles. Avec moi. On va lancer un interrogatoire, d'accord? Vous m'avez dit tout à l'heure dans la voiture que vous avez des informations qui pourraient m'intéresser par rapport à des collègues. Mais il me faut des garanties. Moi, il faut que, par exemple, mon dossier soit clean au niveau de la police. Hein. L'info est claire, l'info est sûre. Un de vos collègues veut... A retourner sa veste? Voilà. Ça reste entre nous, monsieur Caprio. Je vais contacter Nikolai et je vais lui dire que Hawk, il va pouca vos capitaines. T'es agent Sarah, là. Oui. Voilà, j'ai envie de la pécho, frère. T'aurais pas son numéro? Bien. C'est pas moi qui l'ai donné, d'accord? Faut que j'appelle Karim. La personne au poste 2, 1, 3, 4, 4, 8, 3, 7, 1, 8 n'est pas disponible. Il est parti où ce con là? Là en fait il faut que j'appelle Karim Boulboul, alias Prince, pour que je lui explique pourquoi je l'ai poucave. Et là tout de suite vous allez faire ah, t'es intelligent. Mais l'intelligence du mal à Serbie. Quand tu seras en ville on se captera, tu voulais me parler hier. Ouais, en fait je vais appeler Nikolai, d'abord je vais appeler Karim. Je vais lui dire écoute, vous allez voir ce que je voulais dire. Allô. Allô. Ça va ou quoi? Ouais Karim, ça va ou quoi mon pote? Ouais, qu'on se capte là ou pas? Ouais, frère, je viens de sortir de prison là. Parce que tu te rappelles hier, il y a eu un problème, tu te rappelles l'histoire là qu'on a eu? C'est bien qu'on en parle, non? Ouais, du coup, écoute, là je me dirige vers le concessionnaire de voiture, je t'attends là-bas. Ok, d'accord, toi, à tout de suite. Toi t'es où là? Ah, je suis à l'aéroport. Quoi? Attends, t'as pris un vol charter, ils t'ont envoyé en Algérie ou comment ça se passe? Ouais, voilà, ils m'ont envoyé à Orange, je suis revenu au Cannes. Attends, tu sais quoi, je viens de chercher, ok? Tout de suite. Vas-y, j'arrive, bisous. Ok, donc là en fait je vais aller chercher Karim, je vais prendre ma moto, je vais aller chercher. Et je vais essayer de me justifier comme je peux en fait auprès de lui, tu vois. Mais vous allez voir. Wesh! Karim, ça va ou quoi? Ouais, ça va. Vas-y, monte. Frère, faut qu'on parle, hein! Ouais, je sais, t'inquiète, monte. On va se mettre dans un endroit tranquille, t'inquiète. Ils sont où les putes? Parce que justement là, il y a eu un coup de pute, c'est pour ça que je t'emmène là-bas. On nous a fait un coup de pute. J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien qu'on en discute. Ah, t'inquiète pas, tu vas tout de suite comprendre, croyant. Parce que je sais qu'il y a des rumeurs qui traînent en ville. Comme quoi, je t'aurais poucave, tout ça. Mais t'inquiète, tout a une explication. Ok, je te fais confiance. Là, ils sont en mode, hey, poucave et tout, là, c'est poucave. Pétasse, va. Ah, faut que je mette de l'essence, attends. Eh, vas-y, c'est qui paye l'essence? C'est Bibi. T'en donnes, tu veux que je te donne de l'essence? Tu veux que je te donne de l'argent? Ah, attends, oui, remplis-moi le réservoir. Karim. Quoi? T'as des nouvelles de Riles? Pas de nouvelles pour l'instant, c'est pour ça faut qu'on en parle là. Vas-y, monte. Tu veux la récupérer ta moto? Ouais, vas-y. Ouais, je t'ai marre, maillot de bain ou calme? Attends. Ah ouais, maillot de bain. Ah, c'est Paris Plage là ou comment ça se passe? Allez-vous changer les gars? Bah pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On est pas avec nous. Bah non, on va à la cascade. Allez-vous changer les gars, on va aller se baigner là. On va à la cascade. Ah ouais, à la cascade. Pourquoi on va se baigner? Ouais. À la cascade, ouais. À la cascade? Ah ouais. Y'a quoi? Y'a des putes à la cascade ou pas? Est-ce qu'il y a des putes? C'est possible. Non. Mais y'a des femmes. Y'a de la gazelle. Ouais. Ah y'a de la gazelle. Il peut y en avoir. Karim, tu veux faire quoi? On règle notre affaire ou bien? Il peut. Tu vas aller te baigner. Moi je vais aller... Attends, je vais récupérer ma moto déjà. Vas-y. Eh, vous avez acheté où les maillots de bain là? C'est quel magasin? Ils sont partout. D'accord. Ils sont là tous. Ok. Ouais. Ça y est, moi je suis bien. S'il y a des meufs, moi je suis chaud. Karim, tu vas aller pécho de la meuf? Il y en a une là qui est partie se changer là. Une seule? Mais quoi? Il y en a une qui est partie se changer. Mais on est combien de gars aussi les gars? Il y en a une qui est... Bah ça on verra ça sur place. Après ce sera le plus rapide. Ah ouais, non, c'est de la compétition. Regarde, c'est alerte à Malibu, mais sans les meufs, quoi. Ah ouais. On est obligé de mettre un maillot de bain? Ah, tu peux venir en doudou, si non? Si tu veux plonger, voilà. Ouais, quoi. Ouais, j'avoue. Non, mais au pire, on a des imperméables, c'est waterproof, là. Ça passe. C'est clair. Mmh. Ouais, ça peut être pas mal. Attends, Karim, viens d'abord. Du moment que tu mets claquettes chaussettes, c'est bon. J'avoue, ça passe. Ouais, ok, d'accord, ok. Bon, les gars, bonne baignade, hein, et pêchez bien de la meuf, hein. Attends, on va les changer, voilà, je vais me baigner, frère. Bien sûr, je vais me baigner, frère. Comment ça, on va se baigner? Non, moi, je m'en bats pas les couilles, hein. Moi, je m'en bats pas les couilles, hein. Comment ça, on va se baigner? Comment ça, on va se baigner? T'inquiète, Roya, t'inquiète, on va se baigner, après, on réglera nos affaires, viens. Faut décompresser, viens, Roya, viens. Ok. Ouais, j'étais sérieux, toi, profite un petit peu de la vie, là. Qui t'a dit que demain tu vas être encore en vie, ton car va? Voilà, je vais pêcher de la meuf, Léo, calme là! Dis-moi comment mon torse il est bien épilé là! Voilà, pieds nus ou calme, je m'en bats les couilles de la vie! Eh, moi hier, depuis qu'on m'a poucave là, voilà, j'ai changé, je m'en bats les couilles! Wouh!
Hop, comment t'es sexy, regarde, allez viens. Eh, ça fait pas viril comme ça? Ça fait viril de ouf, hein? Ouais, ça fait grave viril de ouf. Attends, j'espère qu'ils sont encore là, les mecs, hein. Ça on va, est là quoi, les voilà mecs. Ah, par contre, alors, j'ai pas enlevé mes baskets, hein. On est bien, je vous dis la vérité, j'ai pas enlevé mes baskets. Moi, je suis pieds nus. Ah, on est bien. Les couilles, là. Bon, c'est où, là? Une question pas mal de passer les vitesses. Vous appelez comment? Moi, c'est Dick. Alors, et moi, c'est Karim. Karim, ouais, chanté. Et vous, c'est quoi? Moi, c'est Karim. Et vous, c'est quoi? Moi, c'est Mohamed. Mohamed, et vous? Mohamed! Beau gosse. C'est John Taylor. Ah, ouais. John Taylor. Bah, John Taylor. Appelle-moi Taylor. Taylor, ok, ça va. Bah, appelle-moi Taylor. Vous faites quoi en ville? Parce que des John, j'en ai croisé un autre. Ouais, je sais. Vous faites quoi en ville? Bah, là, on a fait la course. Hein. Tu veux. Monte sur la moto, je te montre c'est où l'endroit. Triathlon, là. J'ai fait une épreuve de triathlon. Triathlon, wesh. Ouais, et course de trophy truck, une fois que t'as fait la ah course, ouais, vous faites ça sans les potes, vous faites ça sans les potes. C'était annoncé depuis avant-hier. Twitter, et c'est à quelle heure? Ah c'est ouais, à quelle heure, d'accord, là? ok. Non mais là l'événement là, c'est pour aller pêcher de la meuf, on est d'accord? Si tu t'en sors bien, oui. Ah ouais, non mais c'est quoi l'épreuve? Y'a une course à faire? Non, la course on l'a déjà fait. Ah voilà. La course on vient de la finir. Et d'accord. Du coup, vu qu'on vient de finir la course, on s'est dit qu'on allait aller à la cascade. Vas-y, allez c'est parti, vas-y. Plutôt que d'aller au unicorn. Ouais, tu sais que, Mohamed, ouais. Tu sais qu'avant j'avais des abdominaux. Après je me suis lancé dans la Red Bull et regarde ce que c'est devenu, frère. Maintenant t'as un abdal. Karim, monte. Voilà, exactement. T'as un pack maintenant. Karim. Un pack, voilà, c'est bon. Un pack, 2 minutes. Ouais, vous y allez pas, les gars, on se rejoint là-bas. Vous y allez pas, les gars? Ouais, ça marche. Si, on arrive, on attend des gens. Faites la vie. Bon, ok, à tout à l'heure, les gars. Bon, Karim. Ouais. Faut qu'on parle, on va parler en trajet, hein, parce que sinon on va jamais le faire, hein. Ouais, c'est quoi l'histoire alors là? Parce que moi, je me rappelle que avant de rentrer. Oh putain! Avant de rentrer dans la voiture de police et en prison, je t'avais vu hein, quand même. Hein. T'es pas menotté, rien du tout, t'étais juste à côté de nous au calme. Bien sûr. Tu veux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Y'a pas de soucis, Habibi, attends. Attends la vie, Karim, pourquoi est-ce que j'étais à l'arrière d'une voiture de police non menottée? Explique-moi pourquoi. Justement, c'est ça qui est bizarre. Dans une voiture. Toi, t'étais dans une voiture de police, ouais. Pas menotté. Voilà. Et pourquoi, à ton avis? Explique-moi. Bah, à toi, essaye de deviner pourquoi, à ton avis. Donc, tu nous as balancé. C'est pas vraiment ça. Ça, c'est ce que disent les gens, tu vois. Tu nous as balancé. Écoute, Karim. Regarde, on est frères. Écoute-moi bien. J'ai voulu tester un gars sûr. Un gars sûr de la police. Voilà. Ton gars sûr. Parce que tu vois, c'est mon gars sûr. Écoute-moi bien. Au moment où t'es parti vendre la drogue, là, moi et Relax, ouais. On faisait le gay. Ok? On faisait le gay, on tournait. J'ai envoyé un message à une certaine personne en lui disant que t'étais en train de vendre de la drogue et qu'il fallait rappliquer au plus vite. À ton avis. Il a dit mon nom? À ton avis. Il a dit mon nom? Écoute, j'ai dit non, il y a quelqu'un qui vend à un point de vente. C'est quelqu'un, ça va être qui? Moi, je traîne avec qui? Je traîne avec des putes, moi? Je traîne avec mon gars sûr, ça s'appelle mon gars sûr, toi. À ton avis, pourquoi est-ce que la patrouille est arrivée directement? À qui est-ce que j'ai envoyé le message? Réfléchis bien avant de répondre. Qui a donné l'ordre, à ton avis, d'envoyer la patrouille? Non, c'est pas possible. Bah réfléchis, donne-moi un nom. Ton gars sûr. Ouais, c'est mon gars sûr, bah si. Ah Jean-Nicolas. Là on y est. Là, tu vois, là on touche quelque chose d'intéressant, tu vois. Et qui a balancé ensuite au comico qu'on l'avait menacé, soi-disant avec une arme, pour qu'il nous montre les points de vente? Qui? Qui est-ce qui n'est pas arrivé en prison? Qui? Non. Qui? À ton avis. Non. Il est. You're right, man. You're good, right. Les gars que tu croyais sûrs, je sais pas quoi là, dès qu'ils ont pu s'en sortir ou nous poucaves. Frère, Nicolas, je lui dis envoie une patrouille, il a même pas cherché à comprendre, il a envoyé la patrouille directe. Et pour te dire à quel point il est pas sûr, il est même pas venu en personne. Il a envoyé Hawk et Sarah le sage. Il voulait pas se mouiller, fils de timp. Est-ce que tu vois ce que je veux revenir ou pas? C'était un putain de test, mais j'étais obligé de te poucave pour le tester, frère. J'ai pas le choix. Alors, c'est quoi les plans maintenant là? Frère, écoute-moi bien. C'est quoi les putains de plans là? Écoute-moi bien. J'ai parlé à Hawk et je lui dis comme quoi parmi la police il y avait une taupe. Et il a deviné c'était qui? A ton avis, c'est qui la taupe? Kolaï. Et voilà. Tu prends pour un con ou quoi? On est d'accord, non, mais juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ça veut dire que Hawk, il va remonter l'information au capitaine et moi je serai bien vu. Et Hawk, il aura une promotion. Il sera au-dessus de Nicolai, ok? Et ça veut dire que Hawk, il va tout faire pour déglinguer Nicolai. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire chanter Nicolai. En lui disant, écoute, s'il ne veut pas passer par exemple mon permis de port d'armes ou le tien, et qu'il ne nous couvre pas à 100%, on le balance direct. Et il sait pas que Hawk sait, si tu vois ce que je veux dire. En fait, il est déjà cuit, Nicolas, Roya. Et nous, Roya, on est tout en haut déjà. Riles, il est cuit aussi, frère. Riles, il est mort. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Ça va aller loin cette histoire, Roya, ça va aller loin. Intelligence du mal, Acerbi, l'intelligence du mal. Intelligence du mal. Ok, donc là, maintenant, ce que tu veux faire, c'est quoi? Là, ce qu'on veut faire, Roya, c'est déjà, on va niquer des meufs. On voit la cascade, si tu vois ce que je veux dire. Et après, Roya. Ok. Après, il faut que je parle solo avec Nicolai. Il faut que je lui parle solo. Je lui explique les bails, tu vois.
Wesh, tu veux te taper ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste entendre Nicolas et maintenant j'ai envie de le goumer sa mère. Ah ouais, et regarde, ce que tu dois faire, regarde, tu dois faire absolument semblant d'être au courant de rien. Nicolas, c'est ouais, toujours ton gars sûr. Non, t'inquiète. Tu l'utilises. C'est mon gars sûr. À fond, regarde. Il te fait passer ton permis de port d'armes. Tu grattes au maximum son amitié et dès qu'on a l'occasion de le buter, frère, on le fait. On est d'accord ou pas? Vas-y, moi, je suis chaud. Là, le programme. Écoute, on va aller voir des meufs et après. Tu appelles Nicolas voilà. Et t'iras passer ton permis de port d'armes. Et moi, entre-temps, j'irai lui parler. Allons voir les meufs. Qu'est-ce qu'elle fout là, la moto là? Elle était pas là, celle-là. Tu veux pas prendre celle-là? Si, elle était là. Bah, si on se fait arrêter, on est dans la merde. Hein. Et tu sais que le capitaine, il m'a félicité hier. Hein. Il m'a dit, ouais, je te pensais pas comme ça et tout. Je crois qu'il y a plus de cascade. Hein. C'est pas possible que c'est déjà fini, ouais. Je crois que c'est fini. Hein. Et attends. Riles, il est où là? Riles, il est mystique, mec. Hein. Non mais Riles, il est mystique hein. Riles, tu lui dis rien, tu lui dis pas qu'il a essayé de nous tu lui dis pas qu'il a essayé de nous embrouiller et tout hein pour lui genre pour hey, moi il écoute, clean, hein. écoute. Dick. Ouais. Tu me connais ou tu me connais pas? Je te connais, mais on a grandi ensemble, t'es sérieux toi? Eh ben voilà, écoute-moi ce que je vais dire. Ouais. Moi, dans l'histoire, ils me prennent pour un idiot. Voilà. Tu vois t'es le débile, voilà. Tu vois? Donc moi je suis débile, mais je suis loin d'être débile. Exactement. T'inquiète, un peu débile mais pas beaucoup. Pas trop quand même. Eh, j'appelle Riles, je vois où est-ce qu'il est ce con. Vas-y, appelle-le. Bonjour. Ouais, Riles, ça va ou quoi? Et toi? Mon gars, sûr, ça habitait où, là? Là, je suis occupé, là. Ah, c'est-à-dire? Je suis occupé sur un bail. D'accord, ok. Et genre, ça fait des bails sans les potes, quoi? Ouais, mais c'est pas un bail important, il n'y a rien de monétaire à l'intérieur. Donc, ah, ok, ça marche. Faudrait qu'on se capte, hein, pour faire le débrief par rapport à hier, tout ça. Ouais, je vais voir un peu comment ce que vous en avez pensé, même si c'est un petit peu parti en couille. Ok, écoute, de toute façon, moi je te dis, je te recontacte. Vas-y, ça marche, vas-y, à tout à l'heure. Attends, la cascade c'est toujours d'actualité, hein? Mais t'es moi, c'est toujours d'actualité, frère! Ramenez-vous les frères! Attends, j'appelle les minègres. Allô? Ouais, minègre, ça va ou quoi, mon pote? Oui, j'arrive, ouais. Ça va et toi? C'est où la cascade là? Attends, je t'envoie les coordonnées, oui. Ouais, envoie-moi les coordonnées, s'il te plaît. Vas-y, à tout de suite. Vas-y, t'inquiète. Et bon, on va les coordonnées, là. Je suis pas un gars sûr, moi. Il est où, là? On va où, là? On va à la cascade, c'est frère. C'est quoi le programme, là? On va à la cascade, mon pote. Bah, vas-y, alors. Attends, mais c'est là. Où, là? Mais on va là... Il vient de m'envoyer les coordonnées, frère. Ok. Voilà. Là, c'est bon, là. Ça marche. Toi, Karim, de ton côté, est-ce que tu voudrais refaire ce qu'on a fait hier ou pas? Que là. Moi, là, je suis chaud, hein. Là, c'est la hache. Moi, je suis chaud, mais que nous deux. Mais frère, on connaît pas les points. Bah, il nous l'a montré hier, non? Vas-y, 4x4, ça fait combien? Hein? 4x4 ça fait combien, wesh? 32, attends, j'entends pas, Putain, Galek 32, il est sérieux, lui? Ta mère, toi, le lapin. Ça, tu m'as dit quoi, 4x4? Ouais. 32, frère. Ok, d'accord, donc mais tu me prends pour un con, quoi. Toi, tu veux faire de la 8, toi? Ok, d'accord. Bah, vas-y, quoi? Est-ce que tu sais placer les points sur la carte? Tu sais les placer ou pas? Ah, Bah, au voilà. Pire, Max, il va m'appeler normalement. Arrête de me casser les couilles, ok? Max le feuge. Putain, c'est pas toi, le chef. Krav Maga, c'est pas ton capitaine. Ça, ouais, t'inquiète. Ouais, la cascade, t'es moi la cascade, frère. Wouah, il y a un barbecue ici et tout, calme. Oh la vache. Lolo. Ta casque. Oh la la. J'ai pas envie de finir comme eux. Ça va quoi, mon pote? Ah. Attends, y'a Nicolas qui m'appelle. Ah ouais. Ouais, Nicolas, ça va ou quoi? Ça va et toi? Mon gars, sûr, ça habitait où là? Moi je suis à la cascade. Moi je suis au commissariat. Tu bouges pas là? Bah non, je devais prendre mon service mais il y a trop de monde donc je vais attendre de me balader en ville. J'ai une info pour toi, Nicolas. Ah bah j'ai une info pour toi aussi donc va falloir qu'on discute. Vas-y, je t'écoute. Écoute, y'a quelqu'un qui sait pour toi. Quelqu'un qui sait pour moi, qu'est-ce que tu veux dire encore? Y'a quelqu'un qui sait que tu veux faire un peu le ménage dans le commissariat, si tu vois ce que je veux dire. Pas faire le ménage. Non mais tu m'as compris. Enfin tu m'as compris quoi. Ouais. Ouais voilà, enfin tu t'aimerais bien ne plus revoir ces personnes là au commissariat en tout cas. Tu veux pas les éliminer mais. Ah, j'ai juste énoncé un plan que je comptais faire après avoir quitté la police. Voilà, je sais pas si. Ouais. Mais du coup, le plan a fuité, si tu vois ce que je veux dire. Bah, les gars, de toute manière, le monde sait que j'aime pas trop John et puis Jackie. Non. Je vois pas en quoi c'est le problème. Pas parce que quand j'ai parlé au capitaine, pour lui, tous les hommes de la police étaient intègres et lui faisaient entièrement confiance, quoi. Il y avait pas d'animosité entre collègues. D'ailleurs, il me l'a précisé, quoi. Mais du coup, toi, Nicolas, c'était quoi ton information, toi? Parce que parce que t'as vraiment parlé au capitaine de ça, toi? Ah non, pas moi, pas du tout. Mais le capitaine m'en a parlé. Il m'a dit, est-ce que vous êtes au courant que Nicolas, etc. Je dis, ah, pas du tout. Il m'a dit, ah, parce qu'on m'a rapporté ça, tu vois. Mais moi, en fait, c'était hier. Tu te rappelles l'histoire qu'on a eu avec Karim?
Ouais. Bah en fait il m'en a parlé discrètement, tu vois, il m'a dit bon je sais pourquoi t'es là exactement en prison, mais moi je vois pas, j'ai pas envie de te parler de cette histoire là, et il m'a sorti ton blaze. J'étais surpris au début, hein. Il m'a dit ouais Nicolas, il y a Vladivostok, je sais pas quoi, moi je te connais que sur Nicolas. Il m'a donné ton blaze en entier, tu vois, et du coup j'étais un peu, j'ai fait le mec surpris, tu vois. Parce que toi t'es mon gars sûr, croyais, tu sais, j'ai fait bah non, je suis pas du tout au courant et tout et tout. Et en fait, en gros, si tu veux c'est, je te dirais peut-être la personne qui t'a balancé, tu vois. Mais toi c'est quoi ton info? Mon info c'est que le lieutenant est venu me parler tout à l'heure à propos, ouais, à propos de l'histoire d'hier. Ouais, lieutenant c'est qui son nom? Quel nom? Tu sais c'est qui le lieutenant, il y a quel lieutenant? Bah ouais mais tu sais il y a Gauthier, Guivard, j'en sais rien, les noms de salauds là. Gauthier c'est le capitaine, Guivard c'est le sergent, c'est Adama. Ok, le lieutenant c'est qui? C'est le lieutenant Adama. Ah ok, bah tu vois je connaissais même pas ce nom là. Ok, et donc t'as dit quoi? Il m'a demandé pourquoi c'est moi qui avais reçu un appel privé et pas sur le 9-1, donc j'ai dit que c'était toi qui avais balancé les infos. Ouais, bah oui, non, mais ça tranquille, ouais. Ouais. Okay. Y'a pas de soucis, ouais. Par contre, pour le plan, j'en ai parlé en vive voix avec Karim, et puis je lui ai envoyé un texte lui disant de pas me trahir. Hein. Bah, donc, ils justement, ont aucune information. Non, mais justement, si je te dis ça, c'est pourquoi, à ton avis, la personne qui a balancé, à ton avis, c'est qui? Je sais que c'est Karim, mais je lui ai parlé avec lui, t'inquiète pas. Ouais. Et en fait, il a pas parlé directement au capitaine, il en a parlé à un autre agent, en fait, qui t'aime pas non plus au commissariat. Je te laisse deviner qui. Et c'est pas sourd ouf, hein. Ok. Mais de toute manière, on s'en fout. Il a juste un message texte en nous disant de pas me trahir. C'est complètement con. Non, c'est pas ça. C'est que Karim, il a tout balancé, tu vois. Il a balancé des. Après, moi, je suis pas au courant, tu vois. Il m'a dit qu'il avait des preuves solides contre toi, etc. J'ai essayé de le raisonner, etc. Mais tu sais, Karim, quand il a une idée en tête, laisse tomber, tu vois. Et voilà, quoi. Donc, ça, c'est juste l'information que j'avais à te passer. Maintenant, t'en fais ce que tu veux, tu vois. Ok, c'est beau. Yep. Et donc, voilà. Avec Karim, là? Ouais, on a la cascade là, il est en train de draguer des meufs. Putain, qu'est-ce qu'il fait là? Wesh! Voilà, il est en train de draguer des meufs au calme. Donc voilà, c'est ça mon info. Et ouais, mais du coup, pour le lieutenant, moi aussi je m'en bats les couilles. Parce que... Ah, écoute, c'est parfait, on s'en bat les couilles ensemble. Ouais, voilà, non, parce qu'en fait, c'est moi qui ai dit à Hawk de transmettre les informations au supérieur. Donc c'est normal qu'il soit au courant, tu vois. Écoute, quand vous avez fini la cascade, je vais appeler Karim pour qu'on discute. Vas-y, ça marche. Ok. Eh, hey, tu dis pas à Karim que c'est moi qui ai balancé tout ça, ok, d'accord? Ça reste entre nous. T'inquiète. Yep, vas-y, mon gars, sûr, on se capte. Hey, salut. En train de foutre la merde. Il est plus en service depuis un moment, on était 5. Bonjour. Je sais pas, on m'a dit qu'ils étaient, en intervention. Ah ouais. Mais personne m'a répondu à l'appel. Je me présente, je m'appelle Dick, ça va ou quoi? Ah mais on s'est déjà rencontrés, c'est vous. Bah oui. Attendez, c'est là ma femme Laden. C'est là ma femme Laden. Fanny, c'est Fanny. C'est Fanny. Oui, oh voilà. Bien joué, oui. Fanny. Oh God. C'est quoi ton numéro s'il te plaît? Pourquoi je suis mon numéro? Mais quand même, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre, donc c'est un signe. Moi je dis que c'est un signe. En plus, la deuxième fois qu'on se voit, t'es en maillot de bain. T'es sérieuse là? Oh là, j'ai jamais vu comme ça. Dick. Ah ouais, Dick. Ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Y a mon mari, c'est la meuf à Mladen. Ouais, c'est la meuf à Mladen. Mais je m'en bats les steaks, ils sont pas mariés. Il m'a dit que juste ils étaient fiancés. Et encore, ils étaient pas sûrs. Bah oui, ils sont pas mariés, frère. Ah non, on n'est pas mariés. Mais voilà. Qui dit qu'on se marierait pas ici? Oh, mais alors? Et Fanny, ça te dirait de monter dans ma voiture vers la ville? Je vais chercher pas prendre mon service. Je suis pas la seule médicante. C'est Lévin, ils sont deux. Ils sont deux à dormir dans la voiture. Tant que mon mari n'est pas... Respire par le tuba dans la boute. Attends, mais c'est Chang ça? Oh, t'es Moto Chang, du tuba, faut pas qu'il tourne au noir. Chang, ça va ou quoi, mon pote? Oh, tranquillo. Alors, le permis. Attends, faut que je te check, frère, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mon gars, sûr, mon pote, c'est là quoi? Attends, fallait me le dire. Ah, quoi, toi, je te kiffe, hein. Tellement, je te kiffe tellement que j'ai vrai, tu m'aimes bien. Ah, bah oui, je t'aime bien, frère. Attends, pas ici. Viens. Il fait délirer lui, Wallah, je l'aime bien. Tu me kiffes, vas-y, kiffe-moi, vas-y. Tu veux que je te kiffe? Eh, vous tracassez pas, monsieur. Tu veux que je te kiffe? Moi, je suis pas des services publics. Tu veux que je te kiffe? Kiffe-moi, Dodi. Hop, aïe. Ouais, ça y est. Tu m'aimes trop, toi. Non, ça y est, stop, mais j'ai pas envie de te faire mal. Chang, j'ai pas envie de te faire mal. Chang, t'as déconné, frère. Toi, t'es mon pote. Il y avait moyen que. C'est bon, Chang, c'est bon. Mon ami, on a mis. Ça y est, on a vu. C'est vrai, ça? Hein? De quoi? Je redemande le numéro de ma femme après ce qu'on s'est dit. Ah, Chang, voilà, Chang, c'est pas bien ce que tu fais. Pourquoi tu demandes. Tu crois, il parle à toi, mais. Alors, viens, écoute, lui, tu veux qu'on fasse quelque chose? Ouais, tu veux qu'on fasse quelque chose? Ouais? Attends, viens. Pourquoi il t'aime bien, outil? J'adore quand il t'aime bien. Je veux bien que t'aies son numéro en tant qu'ami si tu fais quelque chose. Ok, ça marche. Attends, en tant qu'ami? Super! Oh, en tant qu'ami, c'est pas vraiment ça, l'amitié. Ah, déjà, en tant qu'ami, c'est déjà un début, tu vois. Ok. Mais seulement. Si tu te relèves de ce que je vais te proposer, ok? Oh la vache!
Ok. Je suis pas d'accord. Dilemme, hein. Je vois. Attends, mais ta femme, elle est pas d'accord, Mladen. Si, chérie, on est d'accord, chérie. Oh, la femme soumise. Okay. Oh, la femme soumise. Non, elle le sait. Oh, la vache. Elle le sait. Mais ouais, t'es sérieuse, toi? Tu dis ok comme ça? Je sais que t'y arriveras pas. Ah ouais, d'accord, ok, ça marche. Eh, vas-y, passe ton numéro, wesh. Vas-y, il regarde pas là, passe ton numéro. Mais passe ton numéro. Non. Mais hé hey. Mais non. Arrête de faire ta meuf difficile. Mais si t'arrives, je te le passe. Bah, mais non, mais je suis pas la meuf difficile. Non, mais donne-moi la. Si hey, t'arrives, je te le passe. Donne-moi la moitié maintenant, et après, tu me repasses la moitié quand. Ok, 213. Ouais. 7. Quoi? Voilà, c'est le début. Non, mais attends, mais. T'abuses, toi. Ok, je t'explique le bien. Vas-y. Ici, t'as un plongeon. Ok. Le plongeon de la destinée, tu vois. D'accord. Si tu rates ton plongeon, que tu te réveilles pas de ton plongeon. D'accord. Jamais, plus jamais, tu parles à ma femme. Bah écoute, moi, pour moi, il y a aucun souci. Mais juste à une seule condition. Oui. À une seule condition. Oui. On le fait ensemble. Toi et moi. Bah non. Ah, c'est toi qui veux le numéro de ma femme. Bah au pire. Au pire, moi et elle. Parce qu'elle te le donnera pas sinon. Moi et elle. Non, c'est ma femme. Ma femme, elle saute qu'avec moi. Dans tous les sens du terme. Tu la sautes ? Ah, d'accord, ok. Donc t'es son plongeon, quoi. D'accord. Alors, je t'explique. Oui, je suis un peu son plongeoir, je suis son trampoline, je suis son hamac, je suis un peu tout avec elle. Ah, bébé, c'est vrai ? Ah ouais, bébé. Ouais, mais femme soumise, réveille-toi, merde ! Putain ! Mais comment ça, soumise ? Mais tu dis oui à tout, tu dis oui à tout ! Regarde bien. Oh la vache. Alors ici, faut sauter bien ici, mais attention, regarde bien. Ok, attends, ici, juste, attends, oui, mais pas juste... Pas plus loin. Ouais, mais juste, en fait, là... Je vois, il y a des mecs qui flottent. Là-bas aussi, il y a un mec qui flotte. C'est quoi ça? Ils font quoi là? Alors, eux, c'est des pourris. Ils ont raté. Ils sont tapés le rocher. C'est pour ça qu'ils vraiment en plus, tu peux y arriver. Ouais, parce que. Il y a vraiment moyen que parce tu arrives. Parce que moi, j'ai fait de la physique. Et là c'est la poussée d'Archimède. Oui. Donc, c'est pour ça qu'ils flottent. Oui. Parce que moi j'aime oui, pas la physique. Eux, c'est la poussée de la connerie surtout. D'accord. Parce qu'ils ont été cons. Ils ont raté. Mais tu veux pas me faire une démonstration? Alors. Eh mais tu sais, Mladen, on peut faire l'inverse, hein. On peut faire l'inverse, hein. Si toi, tu sautes et que tu meurs pas, plus jamais je prends le numéro de ta femme. Je crois que c'est mieux comme ça. Bah non, attends. Bah si. C'est toi qui dois avoir de l'intérêt, là. C'est toi le challenge. Ah, tu sais quoi, nique sa mère son numéro, gars. Je m'en bats les couilles. Meuf facile, va. Oh. Mladen, tu... Mladen, tu veux que je dise un truc? Elle m'a passé la moitié de son numéro, déjà. Elle m'a passé la moitié de son numéro. C'est pas grave, vu le nombre de numéros qu'il y a aux États-Unis, déjà 213, t'es mal barré. Non, elle m'a dit 213-7. Ah, ça commence bien. Et toi là, tu veux tenter? Et toi, tu veux tenter là? Karim. Quoi? Karim. De quoi? Si on saute et qu'on survit, on a le numéro de cette meuf là. C'est la meuf à Mladen. Mais on a sur mon numéro au calme. Ah non, Mladen. Mladen, ouais, non, je me suis déjà battu avec Mladen une fois, c'est bon, tranquille. Ah bah, je vais sauter moi, Karim. Je vais sauter. Ah, par contre, vous appelez une ambulance, hein. Faites pas les bâtards. Hein. Oui, on mais y en a pas. Promis. Y en a. Vous êtes promis, sûr je prendrai mon service. Promis, je prendrai mon service. On appelle. Bah, quoi qu'il arrive, quoi on appelle. Tu reprends ton service. Okay. Bah, sauter survie. Ouais, je veux bien que tu me fasses du sauter, bouche oui. à bouche, ouais. Oh, hey, Chang, attends, tu vas sauter là. Ouais, je saute, ouais. On bat les couilles. Enlevez-vous. Chang, on saute en même temps. Toi et moi. Tu veux le faire en même temps? Ouais, t'es mon gars sûr, toi. Comme des potes. Ouais. Attends, on saute comment? Quel angle? Comme ça? Bah, tout droit. Mais okay. Faut courir. En transdiagonale, bien dans la pointe. Ok, bismillah. Mais pas trop loin, si tu sautes trop dans la pointe, tu vas juste glisser. Attendez. Mais va un petit peu en premier, mais de tout de suite. Là. Ok, attends, je me chauffe, attends. Voilà, et tu vas mourir. Attends, voilà, frère, je me chauffe, tranquille, frère. Voilà, je me chauffe. Tu vas aller là-bas. Voilà, tu vas finir ici, mais tu vas aller là-bas. Eh, Fanny, je l'ai fait pour toi. Oui, je te regarde, vas-y. C'est pas par là. Non, mais je sais, je prends de l'élan, tranquille. J'ai réussi là. Eh ouais, mon gars. Ah, poussez-vous. J'ai le numéro de qui là? Qui saute? Ah, là, il a survécu. Du coup, Fanny, attends, non, la Mladen, suite, Mladen, ton numéro, Mladen, c'est quoi? Mladen, excuse-moi. Attends. Là, c'est pas sauté, ça. J'ai sauté, t'as pas mon sauté, gars. Non, c'est pas sauté. Fallait sauter. Dick. Mais vous êtes Dick, malade. Non, fallait sauter. Hein. Mais j'ai sauté, wesh. Non, t'as rien fait, là. Alors, là, t'as glissé. Là, t'as rien fait. Mais j'ai sauté, wesh. T'as mis tes mains. Mais comment ça, j'ai mis ma main, wesh? T'as rien fait. Mais t'es sérieux? Et toi, non, faut refaire, il faut sauter avant. Et toi, de l'escalade, là. Toi, le numéro... Au moins, ça t'a analysé les descentes et tout. Ouais, mais là... T'as dit quoi? Là, faut me soigner. Non, là, t'as pas sauté, là. Tu vois que tu meurs pas. Faut me soigner. Non. Ah, ça va pas. Ah non, je me suis blessé, je me suis déplacé une clavicule, vous êtes sérieux là? Je sais pas. Ah, ça va pas, non, je peux pas réussir. Non, je vais mourir à coup sûr là, c'est sûr. D'où le fait. Fanny, reprends. Par contre, t'as osé critiquer quand même ma coupe de cheveux? Mais la tienne, non, franchement, j'ai jamais. C'est qui il a validé quoi? Je demande c'est qui? Non, c'est. Ben mon coiffeur il l'a validé! Parce que toi la tienne là, quand même elle est. Chang, tu peux sauter ou pas? Les années 80, on est en 2018! Attends, Karim! Mladen! Chang il va sauter, son Jeep il va sauter! Les centres à Panarchy, regarde franchement Mladen, on dirait un motard.
Ouais, vas-y Chang, vas-y. T'inquiète, j'appelle une ambulance. Regarde-moi ça, regarde-moi ce profil, regarde-moi. Regarde, appelle-le avant, on te les emmène. Non, non, je l'appelle pas avant, je vais pas les déranger. 100%. Ah, y a Chang qui va sauter, Karim. Non, voilà, il a une discoupe maladienne. Voilà, il va sauter, c'est mon gars sûr, lui. Mais ça te va bien, ça change en fait. Vas-y, mais ouais, mais merci. Valentine, Valentine. Ouais, non, mais c'est pas sauter ça, moi je vais vous montrer. Maladienne, saute-toi là. Saute-toi. Non, parce que en fait, avant toi, t'as toujours des bonnes excuses, c'est un truc de ouf, hein. Écoute, tout le temps. Tu veux que je saute? Tu veux que je saute? Oui, bien sûr. Attends, je vais pas tomber, madame. Ah, le gars sûr, il est moins sûr, je crois qu'il est sûr au fond de l'eau là. Ah non, quoi? Non. Ah si, là, je l'ai pas vu ressortir. Non, quoi? Chang! Si, je vous jure. Attends, Chang! Ah là, je l'ai pas vu ressortir de l'eau. Ah ouais? Non, j'ai regardé, je sais pas, je le vois pas là. Attends, mais... Non mais Chang, attends, voilà. Mais c'est quoi ton prénom Chang, toi, déjà? Faut lui dire que Jackie Chan dans les films, quand il saute comme ça, il fait des cascades, c'est dans des films, hein. Non, bah, après, c'est un cascadeur, bugué, hein, mais je l'ai pas vu sortir. Mais sinon, toi tu veux sortir avec moi ou pas? T'es célibataire, t'es marié, comment tu t'appelles? Comment ça se passe? Je m'appelle Jade. Jade? Je m'appelle Jade. C'est un peu frontal comme. Demande-lui au moins comment elle s'appelle, le hamar. Quoi? Mais arrête. Non, mais c'est ça, tu sais. Tu m'as parlé, wesh. Oh merde alors. T'as sauté ou pas? Est-ce que t'as sauté? Ouais, j'ai sauté, mais pas d'ici là. T'as sauté d'où? Je me sens mal là. Déjà, tu vois, j'ai quelques égratignures. J'ai sauté de l'autre côté là. Attends, je fais le tour. En face là. Ah ouais, il y a quelques griffures. Non, mais là. Tu fais quoi là? Putain, mais Jade, t'as vraiment une peau de blancheur. C'est vrai que ça va bien avec ta coupe de cheveux. Ouais, ah, mais il faudrait que tu fasses un petit peu. T'as vu ça? T'es de quelle origine en fait? T'es de quelle origine, Jade? Moi je suis d'ici, hein. Moi je viens de Portland à la base. Portland? Ouais, c'est. Dans l'Oregon? C'est pas du tout, non? Tu peux m'apprendre, c'est où? C'est dans l'Oregon, c'est vers là-bas. C'est à côté d'Alger, c'est à côté d'Alger. C'est à l'ouest. Vers Alger. C'est très vert comme endroit. Oui, c'est au-dessus de chez nous là. C'est pas loin de chez moi, oui. Mais toi, tu viens. Ah bon? Toi, tu viens de Croatie, frère. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Portland, d'où tu connais, wesh? Mais je connais. Quand je suis arrivé en Amérique, j'ai tout appris américain. 100%, je connais tout. Sauf la langue et l'accent, quoi. Ça, c'est dommage, ça. Ah bon? Tu veux la bagarre? Oh non, ben frère, j'ai une clavicule de pété là. J'ai une clavicule de pété, tu vas me coucher. Après, ta meuf, elle va venir. Oh, mais la dingue, t'es le plus fort, vas-y, saute-moi. Ça va, 2 minutes, hein, ça va. Non, jamais comme ça, avec respect. Hein. Ah, mais elle est où ta meuf d'ailleurs là? C'est s'il te plaît. Elle est partie où? Elle est partie chercher son kit médical. Ah, elle te dit s'il te plaît, saute-moi. Bah, avec la politesse. Ah, d'accord, ok. Bah, Jade, s'il te plaît, oh là là. Tu veux sortir avec moi ou pas? Non. Mais enfin, Non. Mais tu m'as pris. Mais salut, mon crâne, je me casse. Voilà, je me casse. Voilà, j'ai sauté. Voilà, j'ai réussi, frère. Voilà, là, on est bien, là. Là, je vais choper le numéro de Fanny, là, si tu vois ce que je veux dire. Eh, j'ai sauté 2 fois et j'ai réussi. Eh, jamais de la vie, ils peuvent me dire le contraire, là. Bon. Me la donne là. Dick, t'as réussi, voilà ce numéro. Non, regarde, Il est validé, c'est facile. Ferme gueule, regarde, le tremplin, c'est là. Non, me la donne, tu vois, t'es pas bien sûr. Ferme gueule, toi, déjà. Doucement, là. Ah ouais. Bien sûr. On va pas faire embrouiller entre nous, quand même. Ouais. Non, pas entre nous, mais ferme gueule, toi, ferme ta gueule, toi, déjà. Faut qu'on discute, frère, t'es sérieux, là. Oh là là. Je pensais que t'étais un homme de parole. J'ai sauté ou j'ai pas sauté? Non, je t'ai demandé juste le tremplin, tu vois, c'est ça. T'as sauté à côté. Vous les Croates, c'est un truc de ouf, hein. Vous êtes sûr non, comme pourquoi ça? Pourquoi les Croates tout de suite? Mais c'est pour ça que vous gagnez aucune guerre. C'est le karma, ça. Voilà, les Serbes, on ils vous gagné ont la guerre, ils vous ont déglingué. Ils vous ont déglingué, frère. C'est qui qui a gagné? C'est nous, hein. Ouais, c'est vous. Ah, il est mater, j'ai bogati. Putain. Wesh, arrête de parler latin, wesh. Toi, on a gagné la guerre, hein. Ouais, peut-être la guerre, mais pas toutes les bases. Wesh, ça va, toi? Wesh, posez aucune, ça va, toi? Aucune. Tranquille, hein. Eh, Jade, le saut là que j'ai fait, ça t'a pas impressionné, ça? Impressionné, ouais. Je suis pas sûr, vu le plat que tu t'es pris en arrivant en bas, j'ai pas. Au début, elle me clash et après, elle me supplie. Ça se passe toujours comme ça. Ah oui, tu vas voir comment je vais supplier. Ouais, j'aime bien les femmes. Tu peux J'aime bien. Eh, Jade, y'a moyen que tu me couches en vérité. Ouais. Y'a moyen que tu me couches. Ouais, je pense, ouais. Tu veux qu'on se tape? Est-ce que tu veux qu'on se tape? Honnêtement, je vais pas te mentir. Vas-y, tu veux qu'on se tape? Vas-y, viens. Vas-y, viens. Attends, mais par contre, moi j'ai déjà quelques égratignures. Mais moi aussi, la vérité. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est la vérité. Attends. Je te jure. Attends, 2 minutes. Ça veut dire que là, tu vas la tamponner là? Là, ouais, je vais la tamponner au calme. Jade, si je te couche, je prends ton numéro. Ok. Et si je te couche? Bah, tu prends le mien. Tu prends son short. Tu prends mon numéro. Tu prends mon numéro. Au calme. Au calme.
Bon, bah, je vais par là-bas, moi, je vais par là-bas. C'est rien, me rappelle un truc. Ça va pour toi, Jade, ou pas? Ouais, on dirait une meuf de la présentatrice, là, dans le string, l'émission, là, les strings. Tu y es gagnant dans tous les cas, quoi, c'est-à-dire. Bah, écoute, j'essaie de m'arranger, quoi, j'essaie de m'arranger comme on peut, hein. Oui, t'essaies de t'arranger. Après, si tu veux pas qu'on se tape, tu me passes directement ton numéro et puis on en parle plus, quoi. Après, je suis ton gars sûr et t'es ma meuf sûre, quoi. Après, c'est comme tu veux, hein. Non, mais... Tu vas vite en besogne, toi. Mais t'es sûr, si tu veux, on se tape, hein. Y a pas vas-y, de problème, hein. Vas-y. Oh putain, je crois que je t'ai couché là. Ah, bah j'ai gagné un numéro là. Jade, ça va? Ça va, tu vas bien? Ouais, je crois. Jade, ça va ou quoi? C'est bon, je t'ai couché là. Attends, excuse-moi, je me remets de mes émotions. Oh merde, je suis désolé, ça va? J'appelle une ambulance ou pas? Ah, bonne chance pour qu'ils viennent. Ça va? Ok. Ah, attends, il faut que je me remette. Attends, excuse-moi. Je suis désolé, hein. Attends, je peux te faire des massages, hein, si tu veux. Non, ça va. Attends, bouge pas. Merci. Attends, je te remets juste une clavicule là. Voilà. Clavicule? Tac, voilà, c'est bon. Voilà. Ah, parce que t'es chiropracteur aussi? Bah, je confonds depuis, tout. Je mets des clavicules comme ça. Je confonds toujours les tétons avec les clavicules, c'est un truc de ouf. Je suis maladroit, hein. Mais Jade, mais arrête! Doucement. Jade, faut que tu arrêtes là! J'aime bien les meufs violentes, mais quand même! Oui. Bah là, par contre, là, j'ai vraiment pas envie de te taper, Jade, ça y est, on arrête. J'ai dérapé. Non, mais je vois ça. Hein. Excuse-moi, j'ai dérapé. Y'a pas de soucis. Mais du coup, je peux avoir ton numéro quand même, non? T'es une meuf sûre? Ouais, vas-y, allez. Ok. Je suis une meuf sûre, c'est pas parce que t'as mon attention, numéro. Attention, écartez-vous, que... c'est pour vous ce saut, hein. Spécial big up. Vas-y, c'est quoi ton numéro? Attends, vas-y. Elle va me taper, je pense, non? Très bien, je vais t'envoyer un message. Je j'espère que c'est pas un faux numéro quand même. Laden, il a tapé sur. Bah sur non, la pierre, vas-y, on va envoyer un message. Vas-y, Franck. Vas-y, redis-moi ton nom et prénom. Je t'ai envoyé le message et puis je m'appelle Dick. Moi, c'est DiCaprio. Tu veux une bouteille? Tu veux à boire, à manger ou pas? Ouais, je veux bien. Par contre, ouais, sincèrement, si t'as une bouteille, je suis preneuse, quoi. Là, merci, c'est gentil. De rien. Tu veux manger ou pas? Non, ça ira. Est-ce que tu peux me passer... Vas-y, donne-moi ton numéro, ce sera plus simple. Vas-y, ça marche. Message et tout, ça va être okay, chiant. Ok. Ouais, c'est cool. C'est Aprio, Dick. DiCaprio. Ouais, j'ai compris, ouais. Ouais, je vois. Ouais. D'accord. Bah écoute, Jade, ça m'a fait plaisir. Tu fais quoi en ville, au fait, toi? Là, pour l'instant, je suis à la métallurgie. Ah donc, une galérienne, quoi. Ouais. D'accord, c'est Dick, ouais, tout ça. Ouais, grosse galérienne. Ah, ouais, ouais, c'est ça. Fanny ouais, ouais. Fanny ouais. Oui. J'ai chopé son numéro. Maintenant, c'est le tien. Parce que Bien joué. J'ai sauté maintenant. T'as sauté quoi? Voilà. C'est vrai, il a sauté. Non, voilà, j'ai sauté. Non, c'est surtout qu'en fait, il a voulu qu'on se tape. Et Non, mais. Et j'avais. Merde, j'ai jeté un burger. Mais non, c'est pas ça. J'ai sauté. J'avais des problèmes de mouvement et je n'arrivais plus à esquiver. Oui, d'accord. Regardez bien. C'est la faute. Chérie, il a sauté. Oui. Maladène, j'ai sauté. Non, il a pas sauté. Mais t'es un menteur. C'est vrai, il a sauté. Oui, alors en fait, il a sauté, mais il a pas sauté d'en haut. Il a sauté de la plateforme à côté, en fait. Bah non. Regarde, attends, chérie. 237, après, c'est quoi après? Mais je t'ai déjà vu sauter, ouais, c'est la deuxième fois que tu sautais tellement fort. C'est quoi, tu me dégoûtes? Voilà, tu me dégoûtes. Même si tu passes ton numéro, regarde, je te blague. Regarde, chérie, c'est pour toi, big up de la famille. Big up de la famille. Regarde-le sauter, regarde-lui, il y arrive. Les Croates, c'est un truc de ouf, voilà. C'est plus que c'était, hein. C'est mort, on dirait qu'il va. Ouh! J'espère qu'il est mort, hein. Ah! J'espère qu'il est mort! Oh merde! Oh putain! Non, c'est bon, il est sorti. Attends, mais Fanny, elle est tombée, Fanny! Par contre, ouais, Fanny, elle est tombée. Hein. Oh putain! Est... Attends, Fanny, vas-y, on va voir, me la donne. Fanny, elle est morte, hein. Bonjour, madame! Vous allez bien? Bonjour! Mais vous faites quoi ici? Ça va, vous? Bah tranquille, vous voulez sauter ou pas? Faut venir en maillot de bain? Non, je suis pas venue en maillot de bain, non, mais j'hésite à sauter en fait. Mais attends! J'ai peur de me fracasser le crâne. Mais attendez, c'est quoi votre prénom? Ivy. Mais oui! Mais oui, on s'est déjà croisés! Ça va ou quoi? Ouais, non. Ma meuf sûre! Tu vas bien? Voilà, ça me fait plaisir de te revoir! Ouais, ça va! T'es toujours avec ton gars là? Ça me fait plaisir! T'es toujours avec ton gars là? Yes! Ah merde! Yes, il est en bas! Merde! Bah, si un jour t'es libre, moi j'aimerais bien t'inviter à manger un jour au resto, donc si t'es libre, tu me fais signe, hein! En toute amitié, bien sûr! Bien évidemment! Ah, oui. Bah oui! Par contre, la dernière fois, tu m'as laissé ton numéro, mais en fait, tu m'as juste bipé, du coup, j'ai pas réussi à avoir ton numéro. Envoie-moi un message. Bien sûr, je t'envoie ça maintenant. Vas-y, c'est bon, là, je t'envoie un message. Ouais, nickel. C'est bon, on fait comme ça. Monsieur qui est comme ça. Bah, tu me bipes, ouais, hein. Ça marche. T'as besoin de quelque chose, tu me bipes, ouais. Hein. Allez, bisous. Bonjour, vous avez besoin d'aide, monsieur? Allez sauter dans l'eau là-bas. Ah, mais j'ai déjà sauté, hein, j'ai déjà sauté deux fois, j'ai survécu. Mais encore. Non, mais je dois parler à mon ami là-bas. On est là pour s'amuser. Bah, vous, en attendant, vous pouvez la sauter, elle. C'est comme votre petit plongeoir. Ah ouais? Bah je sais pas. Oh, ça me sautait, moi. Non? Ah, il me fait penser à un youtubeur. Vous connaissez Cyril Super Connard, Poil de Carotte? Oh là, la même tête. Par contre, la tête, je suis pas où, hein. Hmm, ça suffit les conneries. Karim? Bon, je l'ai couché deux fois là, Jade, j'ai chopé son numéro au calme. Sérieux? Voilà, je l'ai couché deux fois. Voilà, je savais, toi, t'étais un.
Voilà. Je savais que t'étais un tombeur, frère. Mais frère, laisse tomber. Bah, pour de... bah, là, je l'ai fait tomber pour de bon, hein, pour de vrai. Hein. Karim, il y a Max qui m'a contacté, il m'a demandé notre position, il arrive là. Ouais, c'est bien, tant mieux. Ouais, tant okay. mieux. Du coup, on va faire de la weed, c'est ça? T'es chaud encore? Bah, moi, je suis là. Hein. Est-ce que Nicolas, il t'a appelé? Non, Nicolas, il m'a pas appelé du tout. D'accord, ok, très bien. Bah, du coup, ce qu'on peut faire, c'est on va se changer. Et puis on va faire de la weed si Max il est sûr de connaître cette fois-ci les points et tout. Ça c'est une bonne question, on lui demandera. Ok ok, bah vas-y viens, on descend en bas de la cascade. Vas-y. Ouais, ça fait un footing là ou cool. T'as vu, il est arrivé. Ah merde, faut que je me fasse soigner, j'avoue. J'ai bobo aux fesses là. Attends, viens, j'ai de la pommade. T'as de la pommade? Ah lourd. Mains, comment elles sont douces. Ouh lolololololololol. Oh, si t'étais pas... Mais ça. Arrête, mais ça va, wesh. Mais elle me soigne, t'es sérieux toi, elle fait son métier. Merde alors. Elle fait son métier. Elle fait des trucs bizarres quand elle te soigne. Mais t'as qu'à la carte. Mais non, mais je l'ai aussi. Doucement, Laden. Oh, doucement là. Tiens, là on laisse un peu là, t'es sérieux là. Écartez-vous monsieur, écartez-vous. Comment ça, tiens là on laisse, je suis pas un chien, t'as quoi toi? Mais c'est elle qui s'est proposée pour me soigner, moi j'allais voir le monsieur. Moi je dis, fais gaffe parce que elle est championne de MMA. Mladen, viens, je vais t'avouer un secret, viens Mladen, viens. Parlem. Wesh, vous vous appelez tous Mladen ici ou comment ça se passe? Ouais. Bah attends, mais Mladen! Viens regarder! Tu veux que je te dise la vérité? C'est mon boulot de vérifier. Mladen, tout va bien. La vérité, entre nous, hein. T'as pas de soutien à te faire, hein. Parce que tu sais, moi, en vérité. Je préfère les mecs à Serbie. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me passer de la pommade d'Esgegorok, s'il vous plaît, parce que j'ai mal? Venez. Je suis homosexuel. Vas-y. Non, mais c'est comprends, c'est ma femme, c'est normal, je la protège, je laisse pas faire des trucs bizarres. Oui, mais moi. Tu ferais comment, toi, avec ta femme? Mladen, je suis homosexuel. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? En Croatie, peut-être ça existe pas. Mais ici en Amérique, on fait ce qu'on veut. Ça existe pas. Voilà, bah moi, je suis homosexuel. Je sais qu'il y a un truc qui s'appelle les gars qui aiment les gars et on les tue direct. Que? Attends. Que les homosexuels là? Quoi là? Ah nous encore. Les homosexuels? Ça n'existe pas. Moi j'étais sérieux là? Eh toi, ferme-le toi! Doucement! Arrête de me dire ça! T'as pas compris. On les tue pas, on les laisse pas vivre, c'est tout. Ah! C'est pas pareil. D'accord, ok. Bah voilà, en fait, pour tes peur. Les nudistes. Ah, c'est. Lui il est juif! Lui il est juif! Ça va quoi? Ça va, pote! Ouais, toi! Bah ouais! Alors. Karim, c'est quoi ce que t'as sur la tête là? Oh putain, ça recommence. Karim, t'inquiète pas, c'est une nouvelle coiffure, wesh. Toi aussi, tu vas me faire comme Mladen, okay. Tu vas parler de mes cheveux? Ça a été Krav Maga, tout ça, t'as mangé cachère aujourd'hui ou pas? T'as mangé cachère? Eh, c'est Shabbat aujourd'hui, hein? C'est Shabbat, hein? Eh, Green Day, tu connais pas Green Day? Tu connais pas Green Day? Tu te fous de ma gueule? Vas-y, enfin, 2 minutes, je te montre. Fouline démo. Alors. Tu connais pas Green Day, toi? Ah ouais, ah non, c'est bon, je vois. C'est du rock. Ah oui, c'est le même. C'est du rock. Eux, ils connaissent, tu vois, Mladen et Sambef, ils connaissent. Wesh, elle est en train de twerker. Ah ouais. Oh la vache. Putain, elle le twerk au calme. Ah, c'est danger. Putain. Ah ouais, mais moi, je suis en train de twerker. Attends. Oh, Krav Maga. Tu fais un démonstration de Krav Maga? Vas-y. Évidemment. Eh, Jade aussi, elle est juive. Elle a fait du Krav Maga. Tapez-vous. Ah bon? Depuis quand? Wesh. Non, moi je fais pas de Krav Maga, moi. Mais t'es sérieux? Il est chaud, là il est chaud. Hein. Vas-y, montre-nous. Hey, apparemment, t'es fort, t'es musclé. Ah, tu sais battre, Jade, donc, Jade, vas-y, montre-nous. Je t'ai couché 2 fois. Arrête, te la ramène pas, s'il te plaît, wesh. Oui, mais j'avais un problème. Jade, t'as tamponné. Jade, t'as tamponné. $100. Non, mais c'est ma meuf sûre. T'as tamponné. Non, mais c'est ma meuf sûre, arrêtez, wesh. Jade. Elle est gentille, wesh, arrêtez. Ça y est, maintenant c'est ma meuf sûre. Bon, y'a pas d'autre activité à part mourir en plomb. En plongeant, parce que moi ça m'amuse 2 minutes en fait, hein. Ouais, j'avoue. Bah, activité, tu veux faire quoi? Bah, du nudisme. Les raisins du voisin là-bas. Du nudisme. Un peu de nudisme. Ah, tu veux que je t'emmène au nudisme? Pas problème, vas-y. Ah, on y va tous alors. Ah ouais, grave. On y va tous. Jamais allé. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, on va chez les nudistes. On va voir des gags. Yeah.